Prenons ensemble le psaume 124 et lisons-le. C'est un cantique des degrés de David. Et les psaumes sont vraiment merveilleux. J'aime à le redire, c'est vraiment pour moi un bol de vitamines. Et si ce soir vous êtes découragé, je le proclame, vous allez vous endormir dans la paix et l'encouragement. Amen. Psaume 124. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Verset 6. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Alléluia! Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Et j'aime ce verset, verset 6. Le filet s'est rompu, amen, le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours, mon secours, et vous pouvez le dire là où vous êtes, mon secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Toute la création le prouve. Toute la création prouve que Dieu est un Dieu protecteur. Le Dieu que nous vous annonçons, le Dieu que je vous annonce, le Dieu que je prêche est un Dieu protecteur. Il est un Père et il aime nous protéger. Regardez, tout ce qu'il a créé le prouve. Les animaux. Le petit vient pour se réfugier et se cacher sous sa mère. La feuille qui protège le bourgeon qui va fleurir et donner une belle fleur. L'épi de blé. Lorsqu'on regarde le blé, il faut retirer cette petite enveloppe, cette écorce qui est autour. Et puis bien sûr, le fœtus, l'enfant, lorsqu'il grandit, il est bien au chaud là dans le ventre de la maman. Dieu a créé les choses ainsi. Et quelle folie de ne pas croire en Dieu, de croire en un créateur. Et peut-être vous regardez cette vidéo et vous dites, mais cette femme dit n'importe quoi. Je vous assure, regardez la nature. Et la nature vous prouvera que Dieu a créé tout parfaitement. Dieu a créé vraiment les choses, la vie avec la protection. Et ceci est inscrit en nous. C'est pour ça, lorsque nous devenons un père et une mère, lorsque nous enfantons, et je crois que toutes les mamans pourront dire cela, il y a un système d'alarme qui s'enclenche en nous pour protéger notre enfant. Nous devenons comme des lionnes, il ne faut pas toucher à nos enfants. Nous défendons nos enfants. Parce que Dieu a mis cela en nous, parce que Dieu est un Dieu protecteur. C'est pour cela, nous sommes créés à l'image de Dieu. Je ne vous parle pas d'un Dieu lointain, d'un Dieu méchant. Non, Dieu est bon et Dieu aime protéger. Dieu aime montrer sa protection envers l'humain que vous êtes. Dieu aime, je vous assure, vous protéger, vous garder de tout mal. Alors vous dites, oui, mais mon père ne m'a pas désiré. Peut-être, c'est vrai. Peut-être que votre naissance n'a pas été désirée par votre père ou par votre mère. Mais celui qui est le Créateur, qui vous donne le souffle de la vie, ce Dieu-là est un Dieu qui a désiré votre existence. Et il désire que votre existence soit heureuse. Alors vous me direz, mais évangéliste, ok, pourquoi alors, si ton Dieu me protège, pourquoi est-ce que j'ai encore des problèmes? Eh bien cela ne vient pas de Dieu. Dieu, je le redis, Dieu est bon. Cela vient de la méchanceté des hommes. Cela vient d'un cœur cruel. Cela vient d'un cœur orgueilleux qui vient pour imposer sa loi, son pouvoir.
Cela vient d'un cœur qui est dur, intransigeant et qui pousse peut-être son enfant dans la rébellion. Cela vient d'un cœur colérique, méchant, violent et qui va pour donner des coups et même persécuter par des paroles et meurtrir l'âme. C'est à cause de cela que nous avons des problèmes. C'est à cause de la dureté du cœur de l'homme et de la femme, bien sûr. Mais Dieu, lui, non, son cœur est doux. Jésus-Christ, parce que Dieu s'est dépouillé de sa nature divine et s'est fait homme, et Jésus-Christ est son nom, Jésus, son cœur est doux, son cœur est humble, son cœur est bon, et son cœur ne désire qu'une seule chose, c'est que vous soyez à l'abri, sous les ailes du Tout-Puissant. Que vous soyez, que vous demeuriez à l'abri dans le refuge qu'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de la parole de Dieu, le Dieu de la Sainte Bible, le Dieu que je prêche depuis maintenant plusieurs années. Je suis heureuse encore de l'annoncer ce soir. Ce Dieu-là est un Dieu qui aime nous protéger. J'ai fait une fois un songe et c'était très 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 violent. J'étais dans une tour et j'étais tout en haut de la tour et je voyais par les fenêtres du feu qui tombait du ciel et des coulées de lave. Vous savez, c'était très violent. Les gens étaient englués, carbonisés. C'était violent ce qui se passait derrière. Et j'ai dit, vite, il faut que je descende parce que la tour va tomber. Il faut que je me sorte de là. Et je commençais à paniquer. Et là, j'ai senti vraiment le Saint-Esprit qui me disait, mais reste tranquille, reste en paix et reste ici, dans ce refuge. Et j'ai vraiment réalisé que Dieu est une forteresse. Dieu est un refuge, même s'il y a un raz-de-marée autour, même s'il y a le feu qui tombe sur la terre, même si les laves de volcans passent comme cela au loin, lorsque nous restons campés, appuyés sur la parole de Dieu, lorsque nous restons proches du cœur du Père, rien ne peut nous nuire, rien ne peut nous arriver, rien ne peut nous déstabiliser, rien ne peut nous faire du mal. Parce que Dieu est un refuge. Oh, que ce que j'ai reçu, vous puissiez le recevoir en cet instant, dans le nom de Jésus-Christ, que vous ayez l'assurance, la foi, que Dieu est votre refuge, le Dieu de la Sainte Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'y en a pas d'autre, il est unique. Ce Dieu-là ne vous fera jamais de mal. Ce Dieu-là est bon et vous protégera toujours de l'agressivité des gens, de la méchanceté de l'humain, de la cruauté de ceux qui ont un cœur tellement fermé et dur, rempli de ténèbres, sont des cœurs remplis, oui, remplis de ténèbres, il faut le dire. Dieu vous protégera. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, Dieu vous protège. Et quoi qu'il se passe autour de votre espace, je vous assure, il est un refuge, il est un Dieu protecteur. Oh, Dieu aime nous protéger. J'aime le verset 6. Le filet s'est rompu, le filet s'est rompu. Même s'il y a un filet au-dessus de vous, que vous êtes englué dans les liens d'un filet de dettes, de problèmes, peut-être de la stérilité. Je ne sais, je ne connais votre vie, mais Dieu connaît et sonde. Il est le seul qui sonde le cœur et les reins. Dieu connaît comment vous faire sortir de votre ornière, de votre fosse, de cet endroit où vous vous êtes arrêté parce que le filet a été sur vous. Maintenant, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, le filet se rompt au-dessus de vous. Amen. Et vous pouvez vous échapper parce que vous saisissez ce soir que votre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le Créateur n'est pas un Dieu lointain, il est un Père avec un cœur d'amour. Et il vous dit encore ce soir, ma fille, mon fils,
Je protège ta vie. Je protège ta vie. Oh, alléluia. Dieu l'a fait. Le filet s'est rompu. Dieu le fait simplement par amour pour nous, par sa grâce, par sa faveur. C'est ce qu'il fait. Dieu est notre secours. Il est notre secours. L'Éternel est une source d'eau vive, nous dit le prophète Jérémie, chapitre 2, verset 13. L'Éternel est une source d'eau vive. Alors, ne laissez pas le diable vous intimider par ses mensonges. Il aime faire cela. Oh, là-dessus, je vous assure, il est le roi de l'intimidation et de la peur. Mais nous, en Jésus-Christ, nous n'allons pas continuer à nous laisser effrayer par ce qui se passe, ce que nous entendons dans les informations. Nous restons campés, appuyés sur les promesses que Dieu nous donne. Amen. Dieu nous dit encore ce soir, le filet est rompu. Jésus-Christ l'a fait à la croix. Il a donné sa vie en sacrifice afin qu'aujourd'hui encore, tu puisses te tenir debout et te dire oui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia! Et en plus, je vais vivre une vie victorieuse. Je vais marcher de progrès en progrès. Oh, j'aime cette phrase. Mon mari aime beaucoup la reprendre. J'aime cette phrase. Nous marchons de progrès en progrès. Oh, nous avons vécu une mission extraordinaire au Togo. Et j'aimerais juste vous donner un court témoignage pour vous dire ô combien Dieu est bon et ô combien Dieu nous a protégés. Dieu nous a envoyés dans la nation du Togo, et je bénis le Togo, et il nous a envoyés dans le nord. Nous avons fait toute une journée en voiture, c'était très très fatigant, ce ne sont pas les routes comme ici, et nous sommes allés au nord, et dans le nord, toutes les régions étaient fermées, ça veut dire que les préfets avait interdit à quiconque d'entrer ou de sortir entre les régions, sauf la région où nous sommes allés. Dieu est bon et avait déjà préparé le seul endroit où Dieu nous a envoyé, la région était ouverte. C'est la région de Oti Sud pour les Togolais qui connaissent. Et donc nous sommes restés une semaine dans cette région. Et nous sommes rentrés sur Lomé, donc nous sommes redescendus au sud le lundi. Et que s'est-il passé le mardi? Le mardi, le préfet de la région a fermé la région. C'est-à-dire que si on était resté une journée de plus, on serait resté au nord. Et s'il avait permis de fermer plus tôt, nous n'aurions pas pu finir le programme. Dieu avait tout bien préparé. C'est ça qui est merveilleux. Avec ce Dieu que nous servons, ce merveilleux Jésus-Christ que nous aimons, ce merveilleux Sauveur, il est là, il est le lion de Juda et nous pouvons marcher à ses côtés. Il est là et il nous fait entrer dans la paix et sortir des endroits en gardant sa paix. Et ce qui s'est passé au nord, s'est passé au sud aussi du Togo. Lorsque nous avons accompli notre mission à Lomé, eh bien, les frontières de la France se sont fermées et voilà, nous avons pu tout accomplir pendant cette mission, tout ce que Dieu nous demandait de faire. Et j'ai vraiment le cœur heureux parce que ce que Dieu nous demande et lorsque nous le faisons, nous l'accomplissons, nous savons que nous avons obéi, nous avons fait ce qu'il nous a demandé, nous sommes dans une paix extraordinaire. Le repos de l'âme, c'est tellement, tellement merveilleux. Dieu est notre secours. Alors, voyez avec vos yeux spirituels par la foi. Que votre foi, vraiment, ce soir, soit stimulée, soit boostée. Et que vous puissiez réaliser des œuvres merveilleuses que Dieu a préparées dans votre vie. Parce que vous avez une destinée précieuse, une destinée de puissance, une destinée de victoire. C'est ça, être enfant de Dieu. C'est ça, grandir et devenir fils et fille de Dieu pour un jour, eh bien, entrer avec humilité dans le service et être serviteur et servante de Dieu. C'est ce que je vous souhaite vraiment, c'est d'entrer
vraiment de tout votre cœur pour servir le roi des rois, Jésus-Christ. Oh, il est si merveilleux. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider par les mensonges diaboliques. Mais je dirais un peu comme Caleb et Josué, eh bien, voyez avec les yeux spirituels, avec les yeux de la foi. C'est cela, les yeux spirituels. C'est visualiser avec la foi. Amen. Et je crois ce soir que votre foi est activée et que même la guérison vient et passe sur vous. Je crois que le Saint-Esprit vient et passe dans la simplicité. Vous savez, c'est tellement merveilleux de vivre avec le Saint-Esprit. Il est d'une grande simplicité et il fait les choses merveilleusement, parfaitement. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Alors, je ne sais pas quel rapport, quel constat vous faites aujourd'hui de votre vie, quel rapport vous faites de votre journée. Alors, je vous encourage à balayer les géants, les choses qui vous ont qui sont venues pour vous agresser ou vous attrister. Balayez tout cela et réjouissez-vous d'avoir un Dieu qui vous protège et qui vous garde et qui vous accorde une vie victorieuse. Amen. Une vie victorieuse en Jésus-Christ. Oh, j'aimerais lire avec vous le psaume 121, qui est un psaume merveilleux aussi et qui nous fait bien réaliser que Dieu est celui qui nous garde de tout mal. Oh Jésus, maraba sante kerobo sontaraba shekerebere kandaraiden. En cet instant, je bloque, je neutralise tout esprit de terreur et d'angoisse. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit démoniaque qui vienne en cet instant pour vous mettre dans la peur du lendemain, dans la peur du manque, dans la peur et l'angoisse des ténèbres. Je bloque cela dans le nom de Jésus-Christ. Je lis tout esprit d'incrédulité, je le chasse dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ et je libère la foi dans votre cœur, la foi pour le salut des membres de vos familles, la foi que le Saint-Esprit travaille les cœurs, que le Saint-Esprit est à l'œuvre, que les anges sont là pour vous protéger, que Dieu est bon et que Dieu garde votre départ et votre arrivée. Alléluia! Amen! Dieu est celui qui garde notre départ et notre arrivée. Départ et arrivée de mission, mais départ et arrivée de notre vie en Jésus-Christ. Le secours me vient de l'Éternel. Oh, je me rapproche un peu de vous. Amen! Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je suis sur le psaume 121, bien sûr, le psaume aussi de David. Il ne permet pas à mon pied de chanceler. Il me garde et ne sommeille pas. Mon père ne sommeille ni ne dort. Il me garde. Oh, quel père merveilleux, n'est-ce pas? L'Éternel est celui qui me garde. Il est l'ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me garde de tout mal. Il garde mon âme. L'Éternel garde mon départ et mon arrivée dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. C'est éternellement. Alors si vous êtes d'accord avec moi, vous savez, j'aime les temps de proclamation. Eh bien, proclamons ce psaume 121 ensemble. Amen. Avec moi, et nous approprions ce psaume pour nous. Amen. Nous le prenons pour nous, pour cette année 2021. Ce temps-là, aujourd'hui, que nous vivons, nous le prenons pour nous. Le secours me vient de l'Éternel. Dites-le, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permet pas à mon pied de chanceler. Il me garde. Il ne sommeille pas. Mon père ne sommeille ni ne dort. Il me garde. L'Éternel est celui qui me garde. Redites-le encore.
afin que vos deux oreilles entendent bien. L'Éternel est celui qui me garde, afin que les démons qui sont proches là, qui vous observent, ils entendent et ils voient votre foi et la parole qui sort de votre bouche. L'Éternel est celui qui me garde. Alléluia! L'Éternel est l'ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me garde de tout mal. Oh, j'aime cela. Amen. On peut se le redire. L'Éternel me garde de toute méchanceté, de tout mal. Amen. Il garde mon âme. L'Éternel garde mon départ et mon arrivée. Dès maintenant et à jamais. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Et Dieu ne vous abandonnera pas. Il est fidèle et il est un Dieu protecteur. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de soutien. Voilà, on est là, on est toute une famille. La famille RFC est une belle famille avec plein d'amour pour vous et de puissance pour la guérison des malades. N'hésitez pas à nous écrire.